Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche Entière. Aujourd'hui, petite capsule vite faite juste pour vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai appelé ça la bonne nouvelle Starlink tout simplement parce que ma bonne nouvelle, ben, c'est que j'ai reçu Starlink. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Starlink, ils disent « Ah, c'est quoi cette affaire-là? » Vous le savez, moi ça fait un bon moment là, que j'en parle, que je me plains dans mes vidéos, que c'est long ma connexion Internet. Tu sais, souvent je vous dis, on se dit à bientôt, une nouvelle vidéo quand mon Internet me le permettra. Souvent je clôture des vidéos comme ça parce que le temps de téléverser une vidéo sur Internet, c'est fou comment c'est long. Une vidéo exemple, là, juste pour donner une idée, là, une vidéo de 2 gigs, c'est pas beaucoup là, téléverser 2 gigs. Là. Écoutez, c'est supposé prendre ça. Là. Ça peut me prendre 8 heures, des fois ça peut me prendre 9 heures. Si j'ai une vidéo de 3 gigs, ça peut télécharger, là. Puis au bout de 10 heures, à la fin du processus, tout plante parce que c'était trop volumineux pour ma connexion Internet. Écoutez, en ville, là, vous avez de la bonne vitesse et tout. Nous, au Québec, ça fait longtemps que ça fait dur. Moi, je reste dans une région qui est éloignée, façon de parler, mais pourtant, je suis vraiment pas à l'autre bout du monde, là, dans le fin fond d'un rang ou entre deux montagnes, pas en tout, là. J'ai un village, tout, en tout cas. Bref. Et puis, pendant longtemps, ça a été du 3,5 Mbps. Écoutez, moi, le maximum que je peux avoir à mon domicile, c'est du 11 Mbps. C'est n'importe quoi. Depuis 2 ans, la fibre optique a passé. C'est du 40 Mbps. Déjà là, méchante grosse marge, méchante grosse évolution. Sauf que la fibre optique, bon, j'ai vu l'installation de mes parents. Je trouvais ça beaucoup trop gros. Ils ont comme 2 machines avec plein de lumière, plein de fils. En tout cas, moi, c'est too much pour moi. Il a fallu qu'ils posent un panneau dans la cave et tout. Non. Dans la cave, dans le sous-sol. Pour moi, ça m'attirait pas pantoute. Puis, tu sais, c'est juste du 40 Mbps. J'étais comme, non, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose de mieux que ça. Écoutez, mes beaux-parents, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, là, il y a encore seulement du 3,5 Mbps qui passe chez eux, OK? C'est n'importe quoi, là. Ils sont pas si éloignés que ça. Ils sont pas... Tous les villages au Québec, là, je sais que Starlink, là, ils ont fait comme comparaison, là, des villages amérindiens, là, que ça avait pas d'allure, là, dans le nord et tout, qu'il y avait du 3,5 Mbps. Allô, nous aussi, au centre du Québec, on a encore ça, du 3,5 Mbps. C'est pas juste dans le nord, OK? Il y a une grosse lacune au Québec au niveau de ça. Puis la bonne nouvelle, Starlink, c'est que Starlink est disponible au Québec. Dans le fond, Starlink, c'est Elon Musk, le propriétaire des Tesla, celui qui a inventé Tesla, donc vous me suivez. Il a lancé un paquet de satellites pour quadriller vraiment la Terre au complet. Donc, j'ai de la visite ici en arrière. Et puis, c'est réussi, c'est quadrillé au complet. Nous, ça fait depuis... Écoutez, ça va faire 1 an qu'on a approché, qu'on a contacté pour le recevoir. C'était pas disponible encore. On y est retourné récemment et puis c'était disponible. Fait que là, on s'est dit, OK, let's go, on le commande. Sur le site, on nous parle de configuration facile. On nous parle de 100 à 200 Mbps seconde. Écoutez, c'est bien plus que ce qu'on a pogné. C'est fou, raide. Moi, je capote ma vie. Quand on a reçu ça au début, on se disait configuration facile. on s'entend-tu que des fois, avec les manuels d'instruction, ils nous disent « Ah, ça va être facile, vous avez juste 3 étapes, puis ça prend 3 heures à monter le maudit meuble. » Donc, on se disait, tu sais, ouais, on verra quand on va l'avoir à la configuration facile. Sérieux, là, t'as 3 fils à ployer, tout se fait tout seul. C'est fou, raide. OK, quand on l'a reçu le soir, mon copain, il me dit, OK, regarde, on s'en va dehors, là, on met ça sur la galerie, puis on l'essaye. On essaye, bon, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Donc, on a, moi, j'ai le dessin à côté de moi ici, là, l'antenne. On met l'antenne à terre, là, la base, là, c'est comme 3 pattes. Fait que là, on met l'antenne, OK, ben on visse la coupole après la base. Là, on met ça à terre. Il y a un petit fil que c'est une petite antenne, comme, mais ça, c'est pogné après en arrière. T'as 2 autres fils qui partent de l'antenne, qui se relient à une petite boîte. Puis après ça, ta petite boîte, ta branche dans le courant. C'est tout. Puis tes 2 fils, dans le fond, c'est parce que t'en as un. Ben, t'en as un pour ton routeur. T'as 3 fils à visser en tout. C'est tout. C'est tellement pas compliqué. Fait que là, nous autres, on est dehors. Il fait fret. Écoutez, il faisait moins 15 dehors. Pas grave, hein? Il n'y a rien qui nous fait peur. On s'est dit, let's go, on l'essaye. Fait qu'on installe tout ça. On est là avec nos manteaux, nos mitaines. Ah ouais, on essaye. Branche le routeur, branche tout. Branche ça dans le courant. Qu'est-ce que ça fait en premier? Nous, ce qu'on a fait, là, on a téléchargé l'application Starlink. Là, avec l'application, ils disent, où est-ce que tu veux mettre ta coupole? Là, va-t'en dehors, là, puis va scanner le ciel avec ton téléphone. Fait que là, ça va te dire si oui ou non, c'est une bonne place.
Moi, on a décidé de mettre ça en plein milieu de la galerie. J'ai mon gros Mickey Mouse de 11 pieds gonflable, droit en avant, que je me suis dit, mais quelle belle obstruction. La coupole, elle s'est placée d'elle-même. Elle s'est inclinée, ting, et voilà. C'est prêt, être en ligne droite avec le satellite. En tout cas, on capotait. On branche ça, on rouvre ça, tac, l'Internet fonctionne. Fait des tests de vitesse, on a pogné du 240 Mbps dehors, de même branché. C'est débile. J'en reviens pas. Puis là, je me disais, ben non, OK, c'est parce que, regarde, c'est la première fois qu'on le branche, là, on a comme une chance à soir. Puis le lendemain, mon copain, il fait le trou dans le mur, passe le fil. En passant, le fil de base qui vient avec, là, quand vous l'achetez, vous avez un fil de 100 pieds. Fait que mettez-la pas trop loin de la maison. Parce que 100 pieds pour aller te plugger avec ton routeur. Il y a des fils plus longs qui se vendent sur la boutique de Starlink. Il y a des installations aussi, des fixations pour le toit, un poteau qu'on plante dehors puis qu'on met l'antenne. Mais moi, de la façon que mon balcon était fait, je me suis pas cassé la tête. Là. On a rajouté un bout de planche puis on a le spot parfait. On a fait des tests de vitesse. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on l'a. J'ai pogné jusqu'à du 340 Mbps. Sur Internet, ils nous parlent de 100 à 200. Fait que mon copain, il se disait, bon, regarde, si on a 60, 70, ou en tout cas, si on a 100 Mbps, ça va être sa grosse coche. À date, on n'a jamais pogné 100. On a toujours pogné en haut de 200 Mbps. Une fois ou deux, c'était peut-être dans les alentours de 140, 160. C'est fou, raide. OK? Moi, j'ai fait un test, là. J'ai mis une vidéo en ligne de 2.33 gigs. Okay? Habituellement, là, ça, là, c'est entre 8 et 9 heures de téléchargement. Je vous le jure, ça m'a pris 20 minutes. 20 minutes, je faisais plein d'affaires sur mon ordi. En même temps, mon copain était sur Internet. Il y avait la TV sur Internet dans le salon. 20 minutes, mon vidéo est téléchargée. Habituellement, là, quand je mettais une vidéo sur Internet, là, je monopolisais tout l'Internet. Mon copain, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y a rien qui marchait. Rien, rien, rien. C'est comme moi, je prenais tout le jus. Puis là, on a pu s'en servir. Écoutez, je capote, c'est débile. C'est super facile. Oui, c'est pas donné, mettons, l'équipement. Tu payes ton équipement, sauf qu'on s'entend, là, ta coupole, c'est à toi, puis tout. Là. Moi, garde, je capote ma vie. Sérieusement, là, pour ceux qui sont en région plus éloignée ou de quoi, vous n'avez pas d'Internet. Je le sais que, bon, pendant plusieurs années, les Internet par satellite, c'était so-so et tout, nous autres et tout. Nous autres aussi, on se disait, ouais, tu sais, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, puis tout, tu sais, ça n'a pas une bonne réputation. Tu sais, quand on pense à la télé par satellite, hein, moi, j'ai eu ça pendant plusieurs années, puis en dernier, ma coupole à l'extérieur, j'avais un parapluie d'arranger après, là, tu sais, pour la protéger, parce qu'à moindre pluie, j'avais plus de TV, j'avais plus rien. Tu sais, on s'entend, sauf que là, les satellites sont comme en basse orbite. Je sais pas comment que ça fonctionne, écoutez, mais c'est génial. J'ai hâte de voir cet hiver, là, mais qu'on ait une grosse tempête de neige, là, moi, je suis confiante que ça va fonctionner. Je suis sûre à 100%. Écoutez, je suis épatée par ça. C'est fou. Ça va tellement bien. Puis, en tout cas, je vous en dis pas plus. Là. Allez voir sur le site de Starlink. Cette vidéo-là, c'est aucunement un partenariat. Là, hein? Rien pantoute. C'est juste comme, je suis tellement contente que ça fonctionne. Ça fait un an, nous autres, qu'on attend d'avoir ça. Puis là, on l'a eu. Ça marche. Écoutez, mon copain est allé jouer à des jeux en ligne. Là. Il capotait. Il dit, mais ça va tellement bien. C'est fou. C'est vraiment fou. C'est tellement facile d'instruction, d'installation. Il n'y a pas d'instruction tellement. Là, t'as une petite feuille, là, puis c'est tout. Là, tu sais, je vous jure, c'est débile. J'ai vu des vidéos sur Internet. Nous, on se disait, bon, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a un homme, il est dans les montagnes, il est loin. Il y a Starlink, puis c'est ça qu'il disait. Ça, il prenait des fois une journée mettre une vidéo en ligne. Puis là, il faisait ça en 15-20 minutes. Nous autres, on était comme... On verra, là, regarde, si ça prend une heure, je vais être bien contente. 20 minutes, c'était téléchargé. J'en revenais pas. J'en reviens juste pas encore. Fait que là, j'ai fini de chialer après mon Internet. J'ai la plus belle affaire qui existe. Je sais qu'en ville, dans d'autres pays aussi, vous pouvez avoir plus que du 300 Mbps. Et ça, je veux dire, ça peut être plus que ça. Sauf que pour moi, là, c'est toute une révolution, OK? Mes beaux-parents sont encore à du 3.5 à l'heure actuelle. Là. Puis là, moi, je pète des scores de 320-340 Mbps. Je capote. Pour ceux qui sont là puis qui se disent « Ah, c'est du chinois, qu'est-ce qu'elle dit là, elle, des Mbps et tout? » Regarde, c'est pas grave si vous comprenez pas ça. Mais comprenez qu'avant, ça me prenait 8 heures mettre une vidéo en ligne, puis là, ça me prend 20 minutes. OK? C'est débile. C'est débile. Je capote. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Starlink ou de quoi, des fois, si vous avez des questions à me poser, posez-moi là en commentaire. Je vais vous répondre du mieux que je peux de ce qu'on a vu à date. Mais sérieux, allez voir le site.
c'est starling.com. C'est pas compliqué. Tu t'en vas sur Google, tu marques Starling, tu vas l'avoir tout de suite. Tu vas voir si le service est disponible à ton adresse et tout. Mais nous, quand on a fait la demande, il y a un an, c'était pas disponible. Puis là, on a retourné dernièrement, puis ça l'était. Fait que je peux-tu vous dire que ma ligne de téléphone... Puis tu sais, moi, j'étais obligée de payer une ligne de téléphone pour avoir accès à Internet chez nous parce que c'était des lignes terrestres. Ouais. Fait que ça me coûtait un bras, puis une jambe. Puis le téléphone, à part ma mère qui appelait dessus, je vais vous dire, je payais ça pas mal dans le beurre, tu sais. C'est tellement, mais tellement génial. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Puis ça, dans le fond, mais c'est mon cadeau de Noël que mon copain m'a payé. Donc, je pense que c'est pas mal un des plus beaux cadeaux de Noël ever qu'on m'a fait. Là. Hein? Ça va tellement tout changer. Maintenant, il me reste juste à demander au Père Noël d'avoir un bon ordinateur pour que ça y aille vite pour mes montages. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, sur ce, je vais vous dire encore une fois, merci à tout le monde d'écouter mes vidéos. Hein, ça, c'était juste une petite capsule vite-vite pour vous annoncer la bonne nouvelle Starlink. Fait que ça va peut-être faire en sorte que je vais mettre plus de vidéos en ligne parce que je vais avoir moins de temps pour télécharger. Je vais avoir moins besoin de temps pour télécharger et tout. Ça va se faire de même. Donc, il y a des fortes chances qu'éventuellement, là, on retombe là, à plus de vidéos. Tu sais, des fois, j'espace ça de 3-4 jours parce que j'avais pas le choix. Je télécharge, ça plante, faut que je le remette. Je peux pas le mettre dans le jour parce que là, je condamne tout le monde à pas d'Internet. Ça marche pas, là. C'est merveilleux, Starlink. Merci, Monsieur Musk! Sur ce, je vous dis à bientôt, tout le monde. Les vidéos vlog, des vidéos réalisation et tout, là, ça recommence. Écoutez, là, je recommence à faire plein de trucs. Donc, surveillez ça cet hiver, là. Puis, j'attends qu'il neige. J'attends qu'il neige pour vous montrer mes belles décorations. Là, je vous ai vendu une mèche. Je vous ai parlé de mon Mickey gonflable. De 11 pieds, mais attendez de le voir en vidéo, il est vraiment beau. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!